Trêve de plaisanterie. Ouais, je sais, mes lunettes sont nazes, je sais. Je change en janvier. Me cassez pas les couilles. À l'époque, quand je les ai prises, les lunettes, je m'en foutais de. Je faisais 140 kilos, je m'en battais les couilles, tu vois. On a pris des trucs, c'était pour voir. Là, maintenant, on veut du style. On change en janvier. On passe sur FIFA parce que je vois, ça veut me faire. Comme ça, vous me voyez en plus petit. Programme très simple, Div Rival, on va faire quelques matchs, histoire de voir ce que ça donne. Puis comme ça, je vais voir aussi le gameplay, parce que j'ai joué qu'en Clash équipe, j'ai pas joué encore en Rival. Ma seule chance, c'est si je tombe contre de la vieille équipe. Voilà, tu vois, genre ce genre de petite équipe toute claquée. En vrai, je sais que les L1 Triangle, ça marche très très bien, mais est-ce qu'on va les spammer contre un mec qui a une toute petite équipe comme ça? Ouais, on va faire la pute. Comment je vais le rattraper? J'ai Anthony Davis. Anthony. Pourquoi je dis Anthony tout le temps? Alfonso. Tu sais pourquoi je dis Anthony Davis? Parce que j'ai envie de jouer NBA 2K avec mon ami Taz. Mon ami Taz qui est malade, les amis. Il a plus de goût et d'odorat aujourd'hui. Pour avoir connu ça, je peux vous dire que c'est pas très agréable. Oh là là, Doniel! Évidemment! Le seul, l'unique! Qui d'autre que lui pour ouvrir la marque? Et d'ailleurs, si Orange veut sponsoriser le 91 AG2, on est toujours ouvert à toutes sortes de propositions. Un adulte responsable comme le 91 HD. Oh là là! Mon fils! Allez, bien joué! Bien joué! Bien joué! Bien joué! Non! La gourmandise! L'extra passe qui ne passe pas! À me saouler de ouf! Eden! Eden! Oh! Eden encore! Oh, une patate à Eden! Du gourmand, hein! Pas certain non plus à des folies avec Coach Gourmand. Ah ouais, là je dois mettre plus de force. Là je dois mettre plus de force. Mais vous voyez que les gardiens ils sont là. Hein. Les gardiens ils sont très très présents. Oh oui, magnifique. Magnifique. Pouh, oh là 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 là. Memphis Depay, évidemment. Ah ouh, l'ancien Lyonnais. Tu pars sur une année complète sur FIFA. Bah là pour l'instant le gameplay est plutôt pas mal. Donc pour l'instant ça va. Après, faut voir évidemment, faudra voir aussi en fonction du temps que j'ai à côté, parce que je travaille comme je vous ai dit, donc peut-être des jours où je serai fatigué, j'aurais pas envie. Normalement, là, je pose la première semaine d'octobre, si jamais des gens voudront suivre les lives à cette période-là. Et oui, de pas et le troisième but. Mais bon, dans la cage, hein, quand même. Oh là là. Mathis! Par contre, ouais, les gardiens, ils ont des nouvelles animations au niveau des arrêts, tout ça. Eh, par contre, pour le coup, Agüero, j'ai vu, partait à 7000 crédits. Bon, je vais pas le vendre tout de suite, hein, parce que bah, c'est parce qu'on est sur les prix totalement faussés. Mais je me tâte, hein, comme j'ai 350 000 crédits, je me tâte réellement en acheter plein. T'achètes plein de Agüero à 7000 et t'attends. Et t'attends que ça monte, parce qu'ils vont forcément augmenter à un moment donné. Parce que quand il y aura des SBC à toute patate, vous pouvez être sûr que, vas-y, ça va évoluer, le truc. J'ai pas vu l'équipe du mec. Eden! Oh là là, le pétard que t'envoies! Tu pourrais faire la revue de Zlatan. Pour l'instant, non. Yeesh! Les gardiens sont forts. Bon, quoi. Ah oui, on l'a lu, on l'a lu, on l'a lu. Mais non, mais... Franchement, ah, il était pas hors jeu! Oh, je suis un connard. Vas-y, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Non mais non, 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 ça n'a aucun sens. Eh franchement, les gardiens c'est trop, wesh. Il a levé là. Oh là là, eh, c'est horrible. Première frappe du match. Première frappe du match pour le mec, 82e minute. Oh. Et mon gardien il la touche, mais lui elle rentre. T'es mort. Oh là là, mais t'es mort! Non, ça a aucun. Non, franchement, non, 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 non. C'est Spider-Man, son gardien, frère, arrête! Là, c'est Mignolet qui va faire 200 arrêts, du coup. Oh là là, magnifique. 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 Malène! Non, mais vas-y, ouais, frère, ça y est, c'est bon, mon gars, j'en peux plus des gardiens, là, déjà!
J'ai gagné 3-0 le premier match, ça, j'ai plus le droit de marquer, genre. J'ai atteint le quota de but sur la journée. Mais t'es mort, frère, mais c'est... Non, 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 non. En 10, ouais, je pense qu'en 10, il fera l'affaire. Mais non, mais les gardiens, c'est trop. Faut faire quoi? Non, faut faire quelque chose, non. T'es mort! Non! Mais... Voilà! Et il la touche encore, hein! Eh, c'est terrible, cette histoire! Il allait la sortir encore, mon frère. Il joue pas, le mec. Vas-y, Emre. Tout seul. Au centre. Au centre. Eden. Oh! Magnifique! Ziak! Bon, alors, clairement. Alors, les frappes normales, ok. Mais les ciseaux, ça c'est bizarre, pote. Parce que les gardiens, ils sont trop forts, sa mère. Oh là 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 là, quand ils sont battus, il y a les poteaux qui viennent les sauver. Depay, il a une frappe très violente. Je pense que Renato, c'est bien de le prendre à... Il a 15K là, Renato Sanchez? Ouais, je pense. Hein. Je le voyais plus cher que ça, tu vois. Oh! Oh oui, elle rentre! Elle rentre! Oh, la frappe de merde qui rentre! Mais Silas, il est trop fort. Silas, c'est trop fort, les gars. En fait, Emre, il veut pas que Merlin marque. Ouf! Ouais, je l'ai anticipé, j'ai direct tapé. Je savais que... Et là, pour le coup, le gardien était mal placé. Ça m'explose. Parce qu'il est pas long de la toucher. Hein. Oui! Oh, bien joué. Non, j'étais obligé de tenter un truc parce que si là c'est trop fort. Par contre, tu vois ce qui est bizarre, c'est ça. C'est qu'autant sur des frappes, si tu mets vraiment de la puissance à bout portant, le gardien il a beau la toucher. Hein. Sur un jeu aussi lourd, Ibra peut être phénoménal. Oui et non, parce que même si le jeu il est lourd, faut quand même. Attends. Oh putain, j'ai fait le con. Je sais pas, ça va mettre quel maillot, ça me fait peur ça. Faut quand même de la vitesse, tu vois, parce que. On est quand même sur un jeu où il faut partir dans la profondeur, tu vois. Et du coup, c'est clair que Ibra, vu que le jeu est plutôt lent, peut être intéressant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, faut pas se leurrer sur le fait que la vitesse sera quand même primordiale. Hein. Tu vois bien sur les matchs que je fais, Depay il met des buts. Mais là, les joueurs qui font vraiment très mal à l'adversaire, ça reste Malen et Silas au niveau de mon attaque, quoi. Parce que c'est les mecs les plus rapides, qui ont vraiment des facultés à partir dans le dos et à prendre de vitesse leur vis-à-vis, quoi. Mais c'est clair que... Vas-y, regarde, tu vois, genre, par exemple, la Malène, bon, je la donne mal, mais... Oh, la dinguerie, j'y crois, elle est rentrée. Oh là, t'es mal, les frappes à bout portant. Tu préfères ou pas ou la croix? Franchement, la croix m'impressionne un peu plus, je crois. Après, on est sur les débuts. Comme je dis, c'est vraiment parce qu'il est super rapide. Oh là là, la frappe de merde, Malen. Malen, pour le moment, par contre, autant il est super remuant, il a des occasions et tout, mais. Il marque pas tant que ça. Hein. Guadou est vraiment cool, sérieux. Je l'ai pas qu'en plus, hein. Je crois. C'est le petit attaquant de Monaco, c'est ça. Hein. Le petit Hollandais là qui est à Monaco, c'est ça. À Monaco ou Nice? Non, Nice, ils ont pris Steng. Voilà, Malen. Enfin, mon petit haut. Stéphane, alors tes impressions sur le gameplay? C'est sympa, mais c'est dur à prendre en main et les gardiens sont un peu trop forts. Vous savez que là j'ai demandé un truc comme ça. Hein. Il a fait ça au mec à côté quand même. Ah oui? Ah oui? Et pénal? Bah oui, bah quand même. T'arrêtes le stream à quelle heure, chef? Ah, carton rouge direct, tiens, d'ailleurs ça faisait très longtemps qu'il... 38, c'est quoi ça?
Oh putain, j'ai pas changé. Je voulais repasser au milieu, ça l'a pas fait. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe en 19 là? Gagner plus de matchs pour les améliorer. Ok, très bien. Ok, donc dans un match, je passe en division 9. Très bien. Et bah samedi, premier review quoi. Je vais tourner les reviews dans mon coin, je pense, demain soir, aujourd'hui. Demain, j'aurai pas le temps de. Demain, j'aurai pas le temps de live pour la simple et bonne raison que demain, je vais aller à la salle. Je vais aller à la salle. Bah, à l'heure là où je suis en train de live, je serai sûrement à la salle. Donc du coup, voilà. Voilà. Parce que j'ai la salle après 19h, ça me saoule. Ça va me saouler, je vais être trop fatigué. Je préfère y aller pendant cette petite heure creuse. Voilà. Stéphane81HD les gars, j'espère que ce live dans l'après-midi vous a plu. J'ai dit je suis animateur SW ou pas. Et si jamais, bah, pour ceux qui vont regarder la rediff sur YouTube, comme ça je fais une outro, on est tranquille. Pouce bleu, commentaire, partage cette vidéo de tes amis, à ta famille, à tout le monde si tu as kiffé, bien évidemment. Et on se retrouve bah, prochainement pour le début des reviews, du review tubeur. Je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous.